Et tout de suite, c'est donc le groupe Arcadian qui nous rejoint dans Sud, on écoute la télé. On écoute la télé, le Top Show Radio. Allez, nos invités d'honneur ce soir dans Chute, on écoute la télé, c'est le groupe Arcadian qui sont avec nous, avec Johan, Jérôme et Flo qui sont là. Merci à tous les trois d'être avec nous. Ça va les garçons? Écoute, ça va très bien et toi? Bah oui, très bien. Très bien, très bien. Enchanté d'être avec nous. Ça va nickel. On est super heureux de vous recevoir pour plusieurs raisons, parce que vous avez fait un parcours déjà assez incroyable dans The Voice. Vous étiez le premier trio à convaincre le jury de The Voice. Et déjà pour ce parcours, bah bravo déjà à vous. Un EP qui est sorti le 15 juillet avec Folie Arcadienne. On va en écouter deux extraits dans cette émission. Moi, j'ai envie déjà de savoir un peu d'où est parti Arcadian. Qui c'est qui veut nous raconter un peu l'histoire? Johan. Alors écoute, Arcadian, en fait, c'est très très simple. C'était une audition qui était organisée il y a 2 ans et demi. Donc en fait, voilà, on s'est connus dans cette audition-là. C'était pour un label français à l'époque. Et donc voilà, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Ensuite, suite à ça, ça n'a jamais abouti avec cette audition. Et nous, on a continué de se voir. On a continué de faire de la musique ensemble. Et voilà, depuis, on s'est jamais lâché. Au début, on était juste potes de galère. Puis après, on est devenus colocataires. Maintenant, on travaille ensemble, on se voit tous les jours et voilà, donc c'est... Et ça se passe bien jusqu'à présent, donc ça va. Il faut que ça dure. Mal, on s'en sent pas mal. Qui c'est qui a eu l'idée de faire The Voice? Aucun de nous trois, clairement, en fait, ça s'est fait un peu par hasard. Justement, ça va rejoindre un peu l'histoire du groupe. C'est-à-dire qu'après, quand le label s'est terminé, on était en studio de répète pour un dernier concert dans ce cadre-là. Et The Voice faisait les auditions dans le même studio de répète. Les présélections, oui. Et en fait, du coup, bah, ils nous ont vus, ils nous ont croisés dans les couloirs, ont été intéressés, interpellés, et du coup, nous ont proposé de passer l'audition. À ce moment-là, on était encore signés, donc c'était impossible. Donc du coup, une première fois, non, voilà. Et après, au fur et à mesure, ils sont revenus plusieurs fois, insister. Et la quatrième fois, bah, on a craqué, on a dit, bah, écoutez, pourquoi pas. Ils sont venus nous écouter, et ça leur a plu, et du coup, nous ont proposé d'intégrer l'audition de The Voice, quoi, les castings de The Voice. Jérôme, tu te souviens de ta rencontre? Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois? Tu les as vus tous les deux là, Flo et Johan. Oula. C'est exactement ce que je me suis dit. Oula. Ça se résume en deux mots. Non mais la vérité c'est ça, c'est que c'est difficile d'arriver sur Paris, il faut quand même une explication avant. C'est difficile d'arriver comme ça sur Paris et puis de savoir qu'on va travailler avec des gens finalement et puis que c'était pas forcément, enfin on sait pas qui c'est. Quand je les ai vus honnêtement je me suis dit bon où est-ce qu'on va aller en fait? Parce qu'on était tous... Même vestimentairement parlant, enfin plein de choses, on était complètement différents, mais à l'opposé quoi. Et du coup, on s'est vraiment dit, mais je pense que tous, hein, y a pas que moi, on s'est vraiment dit où est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on va trouver le même style, est-ce que nos voix vont s'accorder, parce que le but c'était quand même à la base de faire justement un groupe vocal quoi. Donc est-ce qu'on va s'accorder, est-ce que tout va se mettre en place correctement. Et en fait, au final, on a vite vu que ça matchait très bien et que le courant passait bien quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. On s'est rendu compte très vite qu'il y avait une certaine complémentarité en fait entre nous trois, même si on est totalement différents, mais vraiment surtout on s'entendait bien. Et le fait qu'on soit opposés, bah voilà, au niveau des prises de décision, chacun donnait son avis, on a trouvé vite pas des règles, mais une façon de procéder ensemble et une façon de bosser, et ça s'est mis en place assez vite et ça a bien marché. Et même pour le coup, si vous êtes radicalement peut-être différent sur certains points, c'est la musique qui vous a rassemblé tous les trois, hein, pour le coup. Justement, les premiers mois où Arcadian s'est formé, il faut dire la vérité, ça s'est fait dans des cafés, dans des bars, hein, où voilà, on est entouré de nos potes et qui étaient aussi, eux aussi musiciens, donc on en a vraiment été ouvert à plein de choses et tout de suite ça s'est instauré. Justement, Flo a un univers beaucoup plus très pop, Jay vient de la folk, moi du reggae, donc c'était assez, il y avait un exercice assez sympa à faire de mélanger un peu ces trois styles avec nos voix en plus. Et je trouve que pour les harmonies, c'était vraiment sympa d'être à trois parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc voilà, il n'y avait pas non plus de projet comme ça aujourd'hui, on n'en connaissait pas. Donc on s'était dit, bon bah écoute, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre à part ça? Ça pourrait être cool et allons voir où ça nous mène quoi. Ce qui a vraiment déclenché notre style musical, ça a été quand même le jour où on a commencé à travailler Carmen, qui était le premier morceau qu'on a fait sur The Voice. Où là on s'est dit, ok les gars, on tient quelque chose là, on a une version, un style qui est un peu défini, qui sort un peu de l'ordinaire. Et après on s'est basé sur ces sonorités, ces rythmes là pour faire tout ce qu'on a fait jusqu'à présent maintenant. Vous attendiez aller aussi loin dans l'aventure The Voice? Pas du tout, Jérôme. C'est-à-dire qu'en fait depuis le début, bah, comme vous l'avez dit avant, le casting a été un peu, on a rejoint le casting un petit peu à la dernière minute. Notre idée c'était vraiment d'aller pas à pas et de voir jusqu'où on pouvait aller en fait. C'est de faire notre mieux simplement pour avoir juste une bonne vitrine. Ça s'arrêtait là dans nos têtes. Après évidemment, plus on se prend vite au jeu et plus on avançait, plus on avait envie d'aller évidemment plus loin possible.
Mais honnêtement, non, je crois qu'il n'y a aucun de nous trois qui s'attendait à aller jusqu'en demi-finale. On s'est dit, si on fait un direct, c'est génial, c'est une superbe opportunité. Et au final, bah, on en a fait trois, donc c'est parfait, quoi. Jusque à Folie Arcadienne, qui est sorti cet été au mois de juillet. L'EP, le premier EP qui annonce bien sûr l'album qui va bientôt sortir. Et moi, ce que je vous propose, vous l'avez tourné cet été à Paris. Hein, vous n'avez pas fait comme tout le monde, vous n'avez pas été sur les plages de l'Atlantique ou de la Côte d'Azur pour le tourner. Vous l'avez tourné à Paris, le clip de Folie Arcadienne qu'on voit partout en ce moment. Et on va se l'écouter, si vous voulez bien, les garçons. Avec plaisir. C'est parti. Let's go. Allez, Arcadian, ils sont nos invités d'honneur ce soir dans Chute, on écoute la télé. Les garçons, quand on a vu votre parcours dans The Voice, on s'est dit, ceux-là, il faut absolument qu'on les ait dans notre région. Et donc, vous êtes venus cet été à Foura. On espère vous faire revenir pour l'album, évidemment, d'ici quelques temps quand il va sortir. J'imagine aujourd'hui tout le bonheur que vous avez à aller à la rencontre de votre public. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent le plus souvent? Qu'est-ce qu'ils nous disent le plus souvent? Ils sont ravis. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà bien. De tout. Franchement, c'est vraiment un plaisir d'être sur scène et de pouvoir partager notre musique avec le public. Et franchement, clairement, je pense que ce serait un menteur, l'artiste qui dit le contraire. C'est vraiment le summum pour un artiste, c'est vraiment la récompense ultime, c'est d'être en concert et de voir un public qui est là derrière, qui est chaud et qui chante les chansons avec toi, qui bouge au rythme de tes chansons. Et ça, c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir comme je disais, on a vraiment de tout, on a des réactions, il y a des gens qui sont plutôt timides et qui vont nous dire c'est très sympa, merci. Il y en a qui vont nous demander en mariage, on a vraiment de tout, mais c'est vraiment un plaisir. Et même d'ailleurs sur le réseau, on reçoit pas mal de messages. On fait en sorte de répondre à tout le monde. Ça met plus ou moins de temps parce que voilà, on n'a pas forcément du temps tous les jours. Mais dès qu'on peut, on s'y met un peu et on répond à tout le monde, quoi. Je voulais juste faire une dédicace à Julie Fournier 78, voilà, qui est une des fans qui est vachement active et tout, donc je voulais quand même la remercier une fois. Folie Arcadienne, l'EP, c'était vraiment une petite mise en bouche. Qu'est-ce qui nous attend sur cet album concrètement? Bien, sans trop en dévoiler évidemment, parce qu'on va conserver la surprise, puis on espère bien vous faire revenir dans la région pour ça. Alors, ce qui nous attend dans cet album à la rentrée, du coup, c'est 11 titres entièrement inédit, dont une reprise Carmen qu'on a réarrangée pour l'occasion. L'ensemble des titres, c'est des titres sur lesquels on a travaillé en équipe. On a eu une petite équipe d'auteurs-compositeurs plus nous, sachant que nous, on n'a pas la prétention de dire qu'on est aujourd'hui capable de tout assumer un album. Et puis il faut savoir, je pense, quand tu entres dans ce milieu, écouter ceux qui s'y connaissent et voilà, ceux qui ont vraiment la poigne pour faire ça. Et on a eu très peu de temps, il faut le savoir, à la sortie de The Voice, on était directement en studio. Donc c'est 11 titres qui ont été coécrits avec des artistes comme Ben Mazué, David Esposito, Mathieu Mendes entre autres, Jean-Étienne Maillard. Donc voilà, c'est des artistes qu'on aime beaucoup, avec qui on s'est liés d'amitié. Et voilà, cet album s'est fait vraiment dans une bonne énergie de travail, quoi. Et on est très très fiers de cet album, pour le premier, notre premier à tous, hein, individuellement ou en groupe. Et donc on a vraiment hâte de le sortir et de le faire découvrir, voir si ça plaît autant que ça nous plaît, quoi. Vous avez gardé des liens avec certains de vos copains de The Voice, je pense notamment à Naka, que nous on adore dans notre émission, qu'on a déjà accueilli plusieurs fois. Mais est-ce qu'il y en a d'autres avec qui vous avez gardé des liens, Jérôme? En fait, on se croise beaucoup sur des festivals ou sur des concerts, des événements. Et du coup, c'est hyper bien parce qu'on peut se retrouver, on n'a pas tout le temps contact non plus, mais on se croise de temps en temps et du coup, on commence à connaître aussi l'entourage en fait de chaque artiste, et c'est cool, on passe des belles soirées quand c'est le cas. On s'est croisé à Font-Romeu à côté de Perpignan à 1800 mètres d'altitude, c'était génial, on a fait une belle soirée. Après, on a tous, je pense que eux aussi ont un emploi du temps assez chargé, donc on se croise pas forcément tous les jours, c'est sûr. Mais après oui, on en croise régulièrement, on sait que voilà, on a certaines scènes de coplateau avec MB14, on va le revoir, avec qui on s'était vraiment lié d'amitié sur forcément l'équipe Mika, quoi, la team Mika, donc avec qui on s'entendait très bien. Tamara, on l'a revu aussi il n'y a pas longtemps, il y a Anaka, donc il y a tout. Il y a pas mal de gens comme ça qu'on revoit, et c'est vraiment agréable aussi de voir comment l'avancée aussi de leur côté, comment ça se passe. Slimane, on s'entend très 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 bien avec Slimane, et c'est juste que bon, là maintenant c'est un peu compliqué parce que forcément il tourne pas mal en France là. Il était embarqué dans un tourbillon lui avec. C'est ça, mais on le reverra sûrement bientôt et avec grand plaisir. Mais franchement, top, super bonne ambiance. Bon, on va écouter un deuxième extrait de Folie Arcadienne, lequel vous avez envie qu'on écoute là maintenant? Bon, on va écouter Tatoué. Qui est le deuxième single inédit sur l'EP, donc c'est parti, Tatoué. Bon, et écoutez, merci les garçons. Quand vous sortez l'album, allez, on se fait le deal, vous essayez de venir à Rochefort avec nous, de présenter. Comme ça, pour vos fans de la Charente-Maritime, on fera un gros barouf pour la sortie de l'album et pour que vous veniez passer un lundi soir avec nous. Eh bien, avec grand plaisir, on fera tout notre possible. Avec grand plaisir. Allez déjà lancer l'invitation. Tatoué,
C'est parti, c'est maintenant ? C'est parti, allez. Deuxième extrait, Folie Arcadienne. Nouvelle EP qu'on peut trouver sur toutes les plateformes de téléchargement légales et sur votre site internet. On peut vous retrouver Arcadienne.fr et surtout sur Facebook, Arcadianoff, et Twitter, ouais, Instagram, on est partout, YouTube, on est partout. Même Snapchat, on vous prépare des belles stories, alors allez-y. Vous êtes actifs sur les réseaux sociaux en tout cas. Continuez comme ça les garçons, et très très vite dans notre région. À très très vite.